Salut tout le monde, c'est Taras, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3 Reaper of Souls. Et là, c'est pour vous montrer avec en groupe ce que ça donne sur les failles supérieures. Failles supérieures niveau 0. Waouh! Non, c'est la faille, c'est la mise à l'épreuve, ça, voilà. Failles supérieures éprouvantes. Alors, est-ce qu'ils veulent tuer les mobs ou pas? Oui, ils veulent tuer les mobs. Eh bien, moi, je reste AFK. Moi, je pars du principe qu'il faut faire des failles bas level. Mais non, là, on va vous montrer une faille. Des failles bas level ou up les clés pour aller dans les failles haut level. Mais on va vous montrer ce que ça donne quand on en chie. Je leur demande s'il y a une con aussi. Toujours être sympa d'être tous ensemble sur son lit. C'est vrai que quand c'est un petit peu plus résistant déjà les mobs. Hein. 284 millions c'est pas tout à fait pareil. Y a une con, donc je vais la rejoindre dès qu'on aura fini la mise à l'épreuve. Je demande jusqu'où on va pop. Hop, 7ème vague. Je crois que le maximum où je suis allé, moi ça a dû être jusqu'à la 9ème. Mais pas tout seul, j'en ai jamais fait tout seul encore. À chaque fois j'étais avec quelqu'un, les seuls que j'ai fait tout seul c'était les bas level dans la vidéo d'explication de la dernière fois. Non, on est un petit peu en manque de temps, j'ai l'impression. 29ème vague. Ouais, je vais claquer la fonte. D'accord, ça va être résistant là, ces salopios de meubles. Vague anéantie 10, je crois que c'est un magnifique record. Ça fait très mal. Oh mon dieu, je sais pas quel level de faille on va avoir. Et je pense qu'on va en chier. Hop, le passif de l'azote de feu. Ouais non, je crève. Faille numéro 26. Alors attendez, je rejoins la conversation. Hop, salut les slips. Voilà, je remets pour la vidéo. Hop, je résume. Allô, allô. Voilà, j'avais pas mis le son au bon endroit. Oh, ce sera bien le chaton. Au secours, Kadala me fait des avances et me dit revenez me voir. Hop, bon, salut les slip. Yo. Bon, ah, ce sera bien que tu vas revenir la voir, hein, Kadala. T'as clé de faille niveau 26 dès le début. Vous avez pas envie de loot avant, vous. C'est rien, 26. C'est gentil. 11 vagues pour atteindre le 26, c'est plutôt faible. Hein. Oui. Ah, vous avez fait le 11ème et 26? Oui. Moi la dernière fois j'étais à 8 et j'ai fait 27 ou 28, je sais plus. Donc. Ouais, c'est ce que j'ai fait ce matin aussi, pour ça je trouvais ça plutôt faible. Ah, faut commencer avec des failles bas niveau. Faut drop du bleu et du jaune, merci bien. Ah bah c'est là pour. C'est juste que t'as pas de pou, moi j'ai un légendaire, même sur une faille niveau 3, j'ai eu un légendaire. Un légendaire niveau 3?
Fight niveau 3, comment t'as fait ton compte? Bah, à la mise à l'épreuve, j'ai rien fait. Je suis resté AFK. C'est une façon de faire, ouais, ça. Bon, c'est une façon tu l'annonces, Ariel? Au milieu de tous les camarades tardés. Tu vas à la Tempierre? Ouais. Ah bah, tu pouvais le lancer. Comme ça, on pouvait l'insulter, c'est bien. Ah putain, je pose un peu tout ça. Bon, 26, c'est tout pourri, j'ai pas besoin de passer en mode tank. Non, ça va. Je suis pas avec chaton. C'est vrai que t'aurais plutôt besoin de cover avec ton chat. Oui et non. Dès qu'il y a des renvois de dégâts, je vais me faire un stand par contre avec le staff que j'aurai. Putain, j'ai l'impression que c'est des fillettes comparé au T5 que là. J'ai l'impression de taper, ça fait plaisir. Je fous plus du 10k hein, comme avec le chaton. C'est cool. Et je confirme, il faudrait quand même une grosse amulette en C4 parce que putain jamais. J'ai chopé une vaxo vraiment sympa ce matin, mais j'ai dû perdre encore des points de vie pour réussir toute la chasse. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai fait en vidéo hein, le machin là. Donc voilà. Comme t'enregistres pas nos voix. Si, ça enregistre les voix aussi. Oh merde. Salut YouTube. Non mais je t'ai présenté déjà avant de rejoindre la conve. J'ai dit qu'on t'avait déjà vu dans d'autres vidéos. Ouais, une seule. Ah, une seule? T'étais sur LOL toi, il me semblait, dans une vidéo de LOL. Non, c'était quand on faisait le mode. Ah oui, t'étais sur Diablo aussi. Bah oui, Nanar était aussi sur Diablo. C'était la chronique. Ouais, en mode extrême, exact. Ouais, voilà. Ou pire, on n'avait pas de PC et puis il est mort. De quoi? Ou une demi-heure, 2 heures. Pas toi. Ah oui, ça. Que tu m'avais raconté. Ouais, Pierrot il avait pas de PC à l'époque donc il galérait un petit peu. Enfin, il avait un PC mais un Minitel était plus puissant. Oh, faut pas se moquer des Minitel. Ah bah non, justement, un Minitel c'est très bien. 36-15 ou là. Ah ah, il y a des vies. Ah merde, j'ai pas tardé à mourir. Mon passif c'est pas que je vais crever comme une merde. Puis on renvoie de dégâts en plus. Oui, ça j'ai remarqué. Ah, c'est ça qui me fait chier. Bon, enfin, moi j'ai tourelle. Heureusement d'ailleurs. Ah, tu vois, avec chaton. Je me suis tué sur leur renvoi de dégâts. Ma boule à facettes est loin de moi. Oh putain. Merci pour la résu. Ça m'a fait craquer instantanément mon passif. Mais bon, au moins. C'est fait. Ouais. Au moins ça m'a permis d'éviter de faire 10 mètres en ressuscitant du début de la faille. Ah, c'est chiant ça. Quand t'as le bout, si 10 mètres, ça va. Si t'es à l'entrée, ça va. Si t'as l'autre bout, oui, c'est. Un petit peu pénible. Je vais voir s'il y a d'autres pays. Tu peux aller chercher, tu peux pas être ça rien. Eh, j'ai enfin eu mon pantalon de vire hier à Kadala. Ah, ouais. Enfin. Il est daubé, mais je l'ai enfin eu. Maintenant, il manque plus que les godasses. Je pourrais plus détruire du vire pour te faire rager. Alors. Bah, ça dépend. Si, il reste les godasses. Si tu détruis les chaussures, oui, ça me fera rager. Dude, faut qu'on chante des chaussures maintenant, Ariel. Bon, j'avais quelques pantalons. J'avais un ou deux aïe, pantalons. Bah, t'es bien, t'es avec tes poneys de toute façon. Je suis pas bien dans la lave. Ah, oui, c'est dans la lave. Oh, si c'est la lave alliée, ça va. Ah, y'a quelqu'un qui pose la lave, mais c'est Quentin, donc ça va. J'ai pas d'alliés dans cette faille. Moi je pose pas de la. Bah, nous on est à distance, donc c'est pour le bien. Moi j'en pose de la lave. Par contre, je t'envoie des meufs. Hein. Ouais. Du coup, y'a des bonnets. Moi je suis en train de tester un truc là avec trou noir, j'ai changé, je l'ai mis en super massif parce que je me demande si avec la génératrice arcanique il est pas augmenté de 60% aussi ce trou noir. Parce que ça me claque ma génératrice arcanique. Donc il est augmenté. Dans ce cas-là. Ah bah oui, exact, il fait des tics à 15 millions. Allez petit. Aïe. T'es sur un mob seul, tiens, toi t'es seul, j'ai ma génératrice à fond, 4 millions, 10 millions, 13 millions, ouais. Ouais, il tique de plus en plus. Donc c'est cool ça.
Ouais, mais celui que j'avais, il absorbait les projectiles ennemis, mais j'ai jamais bien compris comment ça marchait. J'ai jamais vraiment vu absorber de projectiles ennemis. En fait, faut le lancer sur la faute, quoi, quand elle vient sur toi. Ouais, pour l'assurer. Faut le lancer sur toi juste avant que tu te fasses taper, mais bon. Ouais, c'est situationnel, quoi. Bah, disons que du coup, ça t'aspire les mobs au corps à corps, quoi. C'est vraiment viable, on va dire. Si, c'est utile si pour un bull chaton. Ouais, pour un sorcier corps à corps, quoi. Oui, pas pour le bull chaton, je pourrais la mettre, mais c'est pas celle-là que je pense. Bah, je pense que surtout, en plus, il faut un certain entraînement avant de. Non, parce qu'en même temps, tu packs les mobs, non. Tu packs les mobs et ça te protège. Ouais. Parce que celui que j'ai là, il fait 1290% de mes dégâts d'armes en 2 secondes et puis il est augmenté à 20 mètres. Non, moi je prends pour mon bull chaton, je prendrais celui qui augmente ta vitesse d'attaque. C'est surtout pour la portée en fait, je le prendrais. La vitesse d'attaque, je sais pas si on a un coconut. Non, avec la bulle, tu fais la vitesse d'attaque avec la bulle et tu les aggro avec tout ton or. Dans ta bulle. Vu que de toute façon, t'es au corps à corps. Comme ça, tu baisses leur vitesse d'attaque, tu augmentes leur vitesse d'attaque et. Ouais. Et tu frappes. Oh putain. Le plastique est craqué. Ouais, par contre, comme il est plus arcanique, je crois que j'ai plus le météore arcanique. Ah, t'as le rachat. Ouais, parce que si j'ai plus mon météore arcanique, c'est dommage. Ça me fait mal le météore arcanique en plus. Ouais. Enchanté, tu t'as pas 50 millions avec. C'est ça. Je sais pas, si vous voyez un météore arcanique qui tombe, dites-le moi, parce que des fois je vois pas forcément bien, mais j'ai l'impression que ça fait un bout de temps qu'il est pas tombé. Oh, la belle Vérole, oh, la Tumasa qui compte sur le Dask qui est tombé là. On est pas en avance, cette fois. Hein. On est pas en retard non plus. Bah si, on est en avance là. Trop faible, je m'avance. Oui, non, il y a ce qu'on prend. Qui tombe. On est pas en avance quoi. On est bientôt à la moitié, pour moi c'est une défaite. Ah, on va la faire, ouais, on va être lent quoi. Ah, il manque toujours au moins une pièce de Roland. Après je pourrais rigoler. Ouais, loot des pièces de Roland. Moi j'aimerais bien le card pop pour les. Comme ça je pourrais vraiment tanker DPS, DPS c'est plutôt du temps de contrôle quoi, le DPS est plutôt mou. Bah je suis deck, je voulais calculer au boulot mais les trucs pour le Templier, mais mon appli mobile, je l'avais pas mise à jour, l'appli de Diablo, il y avait pas le set de Roland ni rien, du coup j'ai pas pu calculer. Je m'en suis rendu compte qu'hier soir qu'elle était pas à jour mon appli. Ah, c'est con ça. C'est con. Ouais. Oh, bah tu sais, j'ai eu de quoi m'occuper, hein. Je suis arrivé à 11h30 pour la relève, j'ai commencé le ménage à midi, je l'ai fini à 15h30. Là je pétais un plomb. 3h pour le ménage. 3h, ouais, 3h20 exactement pour le ménage quoi. Laver le sol, laver les vitres et tout, détartrer, j'ai tout nettoyé, le frigo, les cafetières, les écrans, les claviers. J'ai retrouvé un hanneton mort derrière un écran. Très important la cafetière à la SNCO. Oui, oui, bah on a la M2, on a la SNCO et puis la cafetière normale. Ah ouais, j'ai nettoyé la cafetière. J'ai tué le spectre dans le mur. Le bon spectre qui se cache dans le mur, en plus élite je suppose. Oui, bah le spectre élite, mais si tu veux, il est mort dans le mur. Bon, moi j'ai bien perdu mon. Il clash les boules violettes, c'est l'essentiel. Oui, non, mais voilà. Mécanique. Ouais, mais je m'en fous, il est mort dans le mur. En plus, c'était il avait explosion, donc fait l'explosion dans le mur, ça sert à rien. Quand tu vas pas à côté du mur non plus, hein. Tu te la prends quand même. Non, mais je suis par contre, je me rends compte, logiquement, voilà, il pop la météor arcanique, ouais. J'ai testé, tu te la prends quand t'es à côté du mur et qu'un fantôme a explosé en meurtre en mur. Ah tiens, en plus j'ai de quoi te sauver le cul quand t'es en arconte, j'ai la zone de heal là. Il y a ma belle là. Attendez, j'essaie d'y penser dessus. Putain, c'est dommage parce que... Tu veux mettre la zone de heal? Mais je veux mettre la zone de heal, moi, en fait. C'est trop bien la zone de heal, tu fais des dégâts. Ouais, elle est bien, mais... J'en ai juste trop besoin quand je suis au corps à corps contre 3 packs élites qui font la peste et compagnie. Ouais, si comment tu prends la zone de heal, ça les bloque dedans, non? Ça dépend quelle... Non, ça... Je pense pas qu'il permettait de te soigner et de bloquer c'est... Non, c'est... elle est trop courte celle-là. Elle dure que 5 secondes, tu te soignes que d'axe. 5 secondes. Non, mais je veux dire, ça permettait surtout d'éviter que les mobs se barrent. Ouais, mais bon, si tu meurs à l'intérieur, c'est pas mieux quoi. C'est les mobs, ils sont stun dans tous les cas, couponnés donc. Oui,
J'en ai bloqué. Non, celle-là, c'est la zone qui te régénère 54 vies pendant 10 secondes. Par seconde. Oh, on a le boss qui est à peu près de toute façon. Ouais, ça va dégager tous les élites. Faites gaffe aux affixes, ça va quand même les faire péter. Hein. Ouais. Et... Tout à l'heure, j'avais 6 mobilistes sur la tronche qui avaient tous lave. J'en ai tué un, le boss a fait péter les 5 autres. Bon. Oh. Good bro. La map était tapissée de rouge. T'as dû morfler. Non, j'ai le temps de m'enfuir. J'ai le temps de m'enfuir très court, je tout ça. Oh, c'est cool, Frimer. Ouais, c'est une cool. Moi, si, quand tu gèles Frimer avec des hits de feu, ça me fait toujours rire. AFK. AFK japonais. De toute façon, je passe des tourelles et puis moi je reste. Je me demande ce que ça donne de voir les poneys sur un angle de vue. Je sais pas, moi je vais les prendre tes poneys. Ah, je me suis pris Frimer et tu t'es caché dans tes poneys. Tu vois défiler de fierté. Oui, c'est ça, et d'un coup il y a Frimer au milieu qui te fonce dessus. C'est surprenant. Ah, ce bras Frimer. Ah putain, on gelé. Avec les gelées que tu peux pas esquiver à force. Oh, tu restes dedans, mais je suis en pengel en fait, et je l'ai pas vu venir. Mais si, tu mets champion d'Akara, tu feras rien. Tu restes au milieu, tu survives. Avec 4 minutes 12 d'avance. Alors, exactement ce que j'ai tombé. Un mojo légendaire, youpi! J'ai rien eu quoi, je chope du légendaire dans une faille niveau 3 et dans une faille 26, je ne chope rien. Ce jeu est dégueulasse. J'ai le poulet en mojo, j'ai le poulet. Y'a Nanarion hein, en même temps, je rappelle qu'en gros il faut ses stats. Hein. Moi je crois que j'aime. C'est quoi? Le revenant immonde de Manajume. C'est de la merde, mais c'est le poulet. Mais en plus j'ai le poulet. C'est con, ça serait marrant que tu puisses foutre un carquois poulet sur le poulet. Le truc complètement je prends direct. T'as des problèmes avec un poulet mort qui pend devant ta ceinture. Alors c'est quoi? Ah franchement, moi j'achète hein. 60% de chance d'améliorer la gemme, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Ouais, améliore une autre. C'est de la foudre. Non. Elle est combien la tienne? Niveau 20. Ah bah elle est comme la mienne quoi. C'est quoi la meilleure, la clé ou la gemme là? La gemme. Moi la gemme toujours. Elle est 22 la mienne donc c'est pour ça que je commence à comprendre que ça va coûter cher. Ah moi aussi elle est 22 la mienne. 60% de chance hein, niveau 22. Ça dépend du niveau de faille. Plus le niveau est élevé, plus ça a de chance. Je t'ai pas montré ce super lien, tata. Non, mais... Oh, ouais, j'ai raté deux fois, putain, les gars. Sur la conve. T'as un petit lien, tata, sur la conve, si tu veux. Le tableau des hubs de gemmes. D'accord. Ah, bah merci bien. Ariel, regarde l'épée que j'ai chopée. Oh, le pantalon de Roland. Parfait. Bien, ça, bien. C'est cool, ça. Tranche ciel. Ah, l'ange est pourri. Je l'ai sur mon temple, sur le templar, il sert à rien. Mais regarde les jets. Ouais, j'ai Dex. J'en ai su dans Dex, c'est pour moi. J'ai Dex. Non. Bon, je vais être obligé de me foutre un trou noir. Tu peux l'affiler au moine de pierre, au pire. Hein. Tu la veux, Pierre? Elle est cool. Ouais, vas-y, je vais. Elle fait des dégâts fous, non. Donc, on est d'accord qu'horizon final sert à rien sur sorcier distance. Horizon final, c'est quoi? Celui qui absorbe. Ouais, des dégâts sacrés en plus. Non, non. Sauf si vraiment t'as quelqu'un qui s'amuse en Archon, t'as tous les garantir pour te les enlever. Pour virer sa bulle, oui, pour essayer de te tuer quoi. Ouais. Mais sinon il sert à rien. Ouais, bon, je vais mettre le bol de sort. J'ai rajouté une chasse. Il faut de la vie par coup après. Ouais, en plus ça est bien. Franchement, elle est pas crade. Tu rajoutes la chasse avec le nouvel item. Ouais, ce que j'allais faire. Ouais, on le chope tous, ce nouvel item d'ailleurs. C'est moi, ça m'intéresse. Sur n'importe quel mob, sur un légendaire quelconque. Drop aléatoire. Ouais, drop putain de rare aussi, je pense. Il est rare. J'en ai chopé 3 en peu de temps. Hein. Oui, je confirme, hein. J'en ai chopé 0 aussi. Moi, j'en ai filé un ours, te blâme pas. Ouais, mais... Non, je rejoins ce que dit ta... Mon Tartare. Oui, c'est du rare après. Tiens, j'aurais dû ramener le chaton pour le pex. Ah merde, ah, désolé. C'est pas grave. On fait quoi du coup maintenant? Comme vous voulez. Oh, 480 de force en G, en reroll, sur 500. En fait, moi je vais arrêter là, je vais aller manger quoi, vu l'heure. Ouais, moi je chercherai bien après. Ah oui, bah moi je vais peut-être aller faire la même aussi. J'avais pas vu cette Jaster là. Et après, si vous faites des failles majeures, je reviens avec le gros, sinon je reviens avec chaton. Ouais, non, moi je vais venir, je vais me créer le nouveau là. Ça roule. Bon, moi je vous abandonne, et bah à plus tout le monde.
Salut, c'est Bonat. À toutes. Ouais, merci. Bonat. Tout le monde me laisse. Voilà, donc c'était une petite vidéo de faille. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bon, on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!